J'étais ravie de participer à la matinale du groupe Le Matin sur un thème particulièrement important qui est d'actualité, donc à savoir les défis de la digitalisation et donc son corollaire, disons, le moyen de la relever, à savoir le développement des compétences pour justement pérenniser l'employabilité. Ça a permis à tous les intervenants de s'arrêter un petit peu sur les problèmes, les défis en matière d'enseignement, etc., qui se posent à l'éducation nationale pour développer les compétences. Également, les défis à relever pour les entreprises qui devraient maintenir donc l'employabilité de leurs salariés. Toutes les formes de destruction des emplois, c'est une, disons, mauvaise nouvelle, mais qu'on doit voir aussi comme une opportunité pour la création d'autres métiers. Le tout est de s'y préparer et de mettre le digital et les nouvelles technologies au service donc de l'humain, au service de l'emploi décent. Donc, on ne devrait pas tomber dans la précarisation, dans l'ubérisation du marché du travail. Donc, tout doit se faire dans le respect, sur la base d'une approche droit, le respect de l'être humain, le respect du salarié, le respect du travailleur en général, donc de sa protection sociale, de son bien-être. Lui donner les compétences nécessaires pour qu'il puisse trouver tout le temps donc des emplois. Et puis, il va falloir pour ce faire, il faut des institutions efficaces. Il faudrait des institutions de formation efficaces, mais aussi des institutions qui prévoient, donc qui anticipent les besoins d'emploi sur le marché du travail efficaces. Il faudrait des études. Il faudrait un référentiel des emplois et des compétences, un référentiel déjà des emplois et des compétences, puis un référentiel des emplois digitaux et des compétences qu'il va falloir mettre en œuvre, mais sans oublier les fondamentaux de toute façon qui sous-tendent tout ça, à savoir un dialogue social efficace aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau national, qu'au niveau des branches d'activité, qu'au niveau national.